Après leur beau succès face à Liège et face à Alost, un adversaire de taille se profilait à l'horizon. Un duel Carolo-Ostendais qui n'allait pas manquer d'intensité. Un match particulier pour un des adversaires Carolo, Marcus Faison, ancienne vedette du Dôme qui a forgé l'histoire du club en remportant notamment deux titres sous l'ère Vucevic. Marcus, deux fois champion avec Charleroi, deux titres de MVP, tu as beaucoup de bons souvenirs dans cette salle. Oui, c'est mon première fois ici depuis que j'ai parti. Et, je me souviens de bonnes choses, de bons moments ici. Et, c'est un plaisir d'être ici encore une fois. Tu as gardé beaucoup d'amis à Charleroi? Forget that right away. J'en prends. Tu as gardé beaucoup d'amis à Charleroi? Oui, oui, comme lui. André Riddick, Damon Mavet. J'ai beaucoup d'amis ici, mais maintenant je suis ici pour gagner. Donc il n'y en a pas d'amis maintenant. Malgré un Lojeski précis, les Spirou prennent un bon départ par l'intermédiaire de Green et Mallette et mèneront 22-18 au carton. 29-22 peu avant le quart d'heure, mais les Ostendais résistent bien avec une bonne défense de Faison. Caleb Green provoque la défense et force les fautes, ce qui permet aux Flandriens de reprendre les devants à 29-33. Mais c'était sans compter sur Chris Beguin qui, aidé de Green, parvient à rétablir la situation à 33 partout et permet de reprendre le commandement à la mi-temps avec un score de 40-36. Marcus et ses hommes ne s'avouent pas vaincus et inversent de nouveau la tendance à 44-48. Mais Faison ne parvient pas à voler la vedette à Magic Mallette qui plante deux triples et amène ses troupes à 54-51 à la demi-heure. Ni à Brawls qui scelle le sort de la rencontre en prenant de vitesse les côtiers dans un dernier quart à sens unique. Avec une défense impériale, les Carolo stoppent en effet les ardeurs de leur adversaire. Les foudres Carolo s'abattent sur le dôme et les hommes de Jomain sont tétanisés avec un cinglant 19-0. Les Spirou empochent une belle victoire de plus, réaffirmant leur domination sur le championnat avant d'aller défier à Lost mercredi pour la coupe. Quel ressentiment ici de venir perdre contre les Spirou avec ce retour? C'est difficile, c'est pas le résultat que je pensais avant le match. Et, on a bien joué jusqu'au troisième carton et finalement notre paire de balles, c'est ça qui fait la différence dans le match. Et après 6 ans, un retour, un public, une ovation à la présentation des équipes, ça doit procurer un sentiment particulier, hein. Une réaction? Je suis content de revenir et en même temps, attendre le public dire de bonnes choses et souvenir de moi. Donc, je suis content pour ça et je suis content de revenir ici pour la première fois dans 6 ans. Et un petit mot pour tous ces supporters qui ne t'ont pas oublié. Comme tout ne m'a pas oublié, moi, je n'ai pas oublié non plus. Merci beaucoup, Marcus.